Abonne-toi à Keytoons et amuse-toi pendant 10 heures. Cry Baby, Cry Baby's Magic Tales, un monde magique plein de super aventures. Cry Baby. Où est Lady? Bonjour les filles. Bonjour. Oh. Bonjour. Aujourd'hui j'ai dormi comme un. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Comment? Elle dit que Lady a disparu et qu'elle n'est pas dans sa chambre. Ah, elle a encore dû faire sa somnambule. Il faut la trouver. Vous avez entendu? Un lion, c'est un lion. Si ça se trouve, il a mangé Lady. Ce n'est pas un lion, c'est Lady. Elle est là-haut. Qu'est-ce que vous faites là en bas? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh non, je veux descendre. J'ai pas le temps de jouer, je suis occupée. Je sais, secoue l'arbre. Oh is, 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 oh is. Alors coupons-le. Mais comment? En le mordant! Je t'ai dit pas maintenant! Elle ne peut pas descendre! Ne t'inquiète pas, Lady, j'ai une idée! Oh! J'ai vu ça dans un cirque, elle y saute, Lady! Oui, moi aussi, c'est super! Tu dois sauter, passer à travers le cerceau! Et atterrir ici. Saute! Oh non, vous êtes folle. Je suis trop petite pour faire ça. Je vais devoir vivre ici pour toujours. Vous êtes les meilleures. Yeah! Mais bien sûr, c'est ça que tu essayais de me dire. Pardon, je ne t'ai pas écouté. Youpi! Je peux essayer toi aussi. Cry Babies, Cry Babies Magic Tales. Un monde magique plein de super aventures. Cry Babies. Je suis malade. 1, 2, 3. Attention! Allô, Connie? Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade de quoi? Oui, très beaucoup, beaucoup. Chocolat blanc. Ça me fait mal au ventre et ça me donne des gaz. Autre chose. Mais tu es malade de quoi? Regardez. Oh. Et comme je suis malade, c'est moi qui commande. Oh, je ne sais pas. Je crois que je me sens pas bien. Oh. Oui, moi non plus. Connie est mal au point. On doit lui apporter tout ce qu'elle veut. Oh, alors nous aussi on est malade. Aïe, aïe, oui. Mais moi je veux une glace. Des bulles, plus de bulles. Des ballons.
on s'est très mal comportés. Maintenant, elles sont vraiment malades. Pardonne-moi, Cutie. Il faut qu'on s'occupe bien d'elles. Oui! Je t'ai trouvé. Oh? Tu as vu? Elle nous ignore complètement. Non, je ne crois pas. C'est juste que... Si on partait, elle s'en rendrait même pas compte. Oui, tu vas voir. Mes amis me manquent. Où elles sont? Magic Tears! Salut Kitty, tu nous manques. Et on aimerait que tu reviennes. Pour jouer avec nous! Oui! Est-ce bien mon anniversaire? Oui, anniversaire! De qui? De moi! Aujourd'hui, c'est mon jour! Je suis sûre que je vais avoir tout plein de cadeaux! La la la, la la la! Et aussi ma super tarte aux fraises! Cléo, comme le temps passe! Est-ce que je vais pouvoir souffler toutes mes bougies? Voyons voir! Qui sera la première à me le souhaiter? Je suis super impatiente. Cléo! C'est bizarre, personne ne vient ici. Mais où est Cléo? Hein? Salut les filles! Au revoir Léa! Oh! Les filles, vous savez quel jour on est? Mardi! Non, mercredi. Mais non, on est mardi. Mercredi. Mais comment ont-elles pu oublier? Je vais voir Nala, elle se rappellera sûrement de mon anniversaire. C'est mon anniversaire, tu peux me le souhaiter.
Je savais que tu allais t'en souvenir. Quoi ? J'écoute de la musique, on se voit plus tard. Où étais-tu passé ? Tu n'as pas fait attention à moi, ni toi, ni personne. Personne ne me l'a souhaité. C'est mon anniversaire et tout le monde s'en fiche. Et je fais quoi, moi ? Je vais me le fêter toute seule ? Ce n'est pas drôle, c'est le pire jour de ma vie. Oh ! Oui ! Youpi ! Vous vous en êtes souvenu ? C'est un vrai bolide et elle peut tout faire. Oh, je m'y vois déjà. De 0 à 100. Des virages incroyables. Une roue arrière. Et je peux même voler. Bah. Mais il est où le volant ? Tu t'es assise à l'envers. C'est vrai. Poussez-vous. Je démarre. Oh. Hein ? Moi, ma voiture fonctionne. Je comprends pas. Le réservoir de larmes est plein. Lala, ce n'est pas bien de se moquer de Fancy. C'est vrai, il faut l'aider. Fancy, il faut que tu appuies sur le bouton rouge. Oui ! Youpi ! Yahoo ! Je suis désolée, Fancy, c'est que moi aussi j'aimerais bien avoir une nouvelle voiture. Tu seras bien. Moi aussi, tu vas me manquer. Bonjour, est-ce que Dodi est là ? Je suis dans mon bain.
Je te laisse Tiggy et sa valise. Amusez-vous bien. D'accord. Ah, j'oubliais. Surtout ne lui donne pas de chocolat. Même si elle te le demande. C'est très important. Tu m'as entendu? Oui, oui, du chocolat. Très important. Quel bonheur de te voir, Tiggy. Allons jouer. Ensuite, je te ferai couler un bain avec plein de bulles. Mais d'abord, le plus important, comme promis à Nala, du chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Si, si, c'est pour toi. Tu dois le manger. Juste un petit peu, ça suffit. Hey, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non, la tétine dorée! Non! Oh, oh, une tétine dorée! Regarde, elle est adossée! Oh. Descends tout de suite, ça suffit! Laissez-moi faire. Viens, mon Tiggy. Viens voir Lala. Hein? Me revoilà. Oh non, tu lui as donné du chocolat. Tu m'as dit de lui en donner, que c'était très important. Mais non, c'était le contraire. De la confiture, c'est la seule chose qui me calme. Ça ne marche pas, tu lui as donné trop du chocolat. Je suis désolée, mais je t'ai pas bien entendu. Elle va rester comme ça pour toujours. Non, Tiggy ne va pas rester comme ça pour toujours. Hein? Oh. Ah, Tiggy. Majestueux. Waouh, mais tout est en ordre ici. Salut les filles. Qui veut du gâteau au chocolat? Non! Hi babies, cry babies, magic tears. Un monde magique, plein de super aventures. Cry babies. Un super concert. Soyez gentils. Qu'elles sont mignonnes! Faites les grands et asseyez-vous! Ouss, ce que vous êtes agaçante! C'est bon, on s'en va! Et ne faites pas de bruit pendant que Nala joue! Et ne cassez rien non plus! Oui, aïe, aïe! Du calme! Je vais arranger ça! Vous allez avoir votre concert. En vérité, c'est vous, mes vrais amis. Magic Tears!
beau spectacle. T'as vu, Nala ? Connie donne des invitations pour son spectacle. Mais celui-ci, c'est celui de Léa. Oh non, les deux font un spectacle. Aujourd'hui, à la même heure. Auquel faut-il aller ? Oh. Hey, salut, Connie. Comme tu es belle aujourd'hui. Merci, toi aussi. Tiens, je t'invite à mon spectacle. On a eu la même idée. Le mien a lieu aujourd'hui à 3 heures. Le mien aussi. Mince, alors on fait quoi? Ce n'est pas grave. Je vais faire mon spectacle un autre jour. Pas question, c'est moi qui le reporte. D'accord, c'est toi qui le reporte. Ah oui, et pourquoi pas toi? Oui, mais toi aussi tu peux le reporter. Et toi? Non, toi! 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 Stop! Tu sais quoi? Laisse les filles décider. Alors tiens-toi prête, car mon spectacle est super et elles vont toutes venir au mien. C'est ce qu'on va voir. Venez me voir à moi! Non, venez me voir! Tu es jalouse, car tu sais que je suis meilleure que toi. Tiens, regarde ça. Non, toi, vise un peu ça. Bah, trop facile. Et avec une autre en plus? Oui, j'y arrive et en plus je te la renvoie. Plus vite, je m'ennuie. Et regarde ça avec les yeux fermés. Regarde ça en tournant. Et comment sont-elles? Ensemble, elles sont meilleures. Oui, nous sommes les meilleures. Super méga chouette. Yahoo! Alors, amis pour la vie? Toujours. Kiki, viens ici, tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est horrible! Un dragon s'est échappé de sa cage immense et il vient par ici! Hein? Tu me fais peur! Vite, vite! Cache-toi! Il arrive! Mais où? Il n'y a qu'une chose qui puisse te sauver! Saute dans la baignoire avec un parapluie et fais des tours! Cours! Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, sauve-toi! Moi, je vais le distraire. Tu es une super amie. Tu y as cru. Ne me regarde pas de cette manière, Spot. C'est une blague. Eh bien, ce n'est pas drôle. Et on ne va rien faire? Ha 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 ha! Et s'il faisait une blague à notre tour? Hein? Tu vas pas en croire tes oreilles. Ah bon? Ne me dis pas qu'un dragon s'est échappé. Exactement, c'est vrai. Ah, bien sûr, et il vole aussi peut-être. Tu veux le voir? Il y a une case brisée, il s'est échappé. Allons-y! Aïe, aïe. Regarde, tu me crois maintenant, Dottie? Oh, regarde! Ah! Ouh!
vol. Hein? J'adore vos pyjamas. Merci, ils sont tout neufs. Qui veut un ballon? Oh. Oh. Hey, les filles, on ne devait pas aller chasser les papillons? Aujourd'hui, on va gonfler des ballons. C'est plus amusant. Regarde, il ira bien avec ton nouveau pyjama. Même Connie et Nala en ont un tout neuf. Mais ce ne serait pas Lisa là-haut? Quoi? Elisa, ne bouge pas, je vais te faire descendre. N'ouvre pas la bouche, ça risque de t'éjecter, c'est très dangereux. Tu as compris? Pauvre Lisa, il faut faire quelque chose. Je sais. Lisa, écoute-moi. Agite le bras comme pour nager vers nous. Oh non, elle arrête pas de monter. Vite, dépêchons-nous. Et si on lui tendait quelque chose de très très lourd pour la faire redescendre? J'ai une idée, allons chez moi. Oh, ça pèse une tonne. Attrape-le, ça te fera descendre. Mais vous faites quoi? Stop. Si ça lui tombe dessus, ça va l'écraser. Oui, tu as raison. Attention. Stop, Lisa. Stop. Je vais perdre Lisa pour toujours. Ça va les filles? Qu'est-ce que vous faites? Rien, on s'ennuie. Quelle barbe! Yeah! Hein? Salut Christelle. Ça va les filles? Vous vous ennuyez? Oui, beaucoup trop. Et si je vous disais que c'est une super idée? Hein? Ah oui? Laquelle? Je vous invite toutes dans mon parc d'attractions. Tout le parc, rien que pour nous. Tu as un parc d'attractions, toi? Oui, et il est à moi. Ben tiens, moi j'ai un palais. Ah, tu ne me crois pas? Eh bien, reste là si tu préfères. Nous, on y va. En route, vive Cristal! Attendez-moi, je viens avec vous. C'est qu'il a beaucoup neigé. Il y avait un chemin avant. Oh. Par ici, je crois. On ne devait pas être déjà arrivé. Oui. Tu as dit qu'on y était presque. Tu calmes. C'est sûrement par ici. Je suis déjà venue ici des tas de fois. Eh ben moi, je ne vois rien et j'ai envie de faire pipi. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Ça n'aide pas. Je ne sais plus, c'est forcément par ici. On l'a déjà vu ce panneau tout à l'heure. C'est vrai, on est déjà passé par là.
C'est forcément par ici, j'en suis sûre. C'est juste qu'il a beaucoup neigé. Je vais monter sur cette colline et de là-haut, je le verrai sûrement. Ah! Ah! Il n'y a aucun parc, tout ça c'est dans sa tête. Crystal nous a menti. Tu nous as fait venir ici pour rien. Allez, on rentre. Mais c'était vraiment easy, je ne vous mens pas. Je m'excuse, je t'ai pas cru. Youpi! Tu veux bien me pardonner? Magic Tears! C'est le plus beau parc du monde! Tu nous as dit qu'il y avait tout ce qu'il fallait. C'est que rien ne te plaît, j'ai beaucoup de choses. Si, regarde. Tada! Hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Salut les filles! Rudy! Et voici l'arbre. Tout est dans cette boîte. Allez, qu'est-ce que vous attendez? C'est de la terre. Une pelle. Un arrosoir. Et trois graines. Mais pourquoi faire? Nous voulons un arbre de Noël. Mais vous en avez un. Il faut travailler en équipe. Toi, tu aides Lala à mettre de la terre dans ce pot. Et vous autres, plantez les graines et vous verrez. Il ne se passe rien là. Et où est là? Quelqu'un a dû se tromper. C'est peut-être toi. Non, toi. 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 Oh, mais bien sûr, c'est l'arrosoir. L'arrosoir ne marche pas. Il est tout cassé. C'est toi qui es tout cassé. Tu le tiens à l'envers. Ah, c'est vrai. Regarde maintenant s'il est toujours cassé. Waouh! Waouh! Tous ces cadeaux! Parce que vous avez été très gentils. Oui, vraiment trop contente. Joyeux Noël! Merci, Rudy! Joyeux Noël! Waouh! J'aime beaucoup l'arrosoir. Je peux le garder? Cry babies, cry babies, magic tears. Un monde magique, plein de super aventures. Cry babies. Allez les filles, vous êtes prêtes? C'est bon? Tout le monde à sa place, on y va. Ouais. Abracadabri, abracadabra. Laissez passer le talent, les filles. Nala, ne double pas. C'est au tour de Dottie, là. Non, c'est pas grave, ça m'est vraiment égal. Le concours va commencer.
commencé. Cette année, notre prestigieux jury est composé de la très sympathique Katie, l'implacable Fancy et Lady. Elle a toujours sommeil. Allez, la première concurrente. C'est à moi. Mais non, c'est au tour de Doty. C'est pas grave. Laissez passer Nala. Vas-y, vas-y, passe si tu veux. Bah, dans ce cas... Non, moi j'y vais. Je vais y aller. Désolée, les filles. L'heure est venue que tout le monde découvre mon talent. Hé, attends, Nala, viens ici. C'est pas ton tour, écoute. Attention, vous n'avez jamais rien entendu. Waouh. De semblable. C'est sûr, on n'avait jamais rien entendu de semblable. Attends, j'en connais une autre. Suivante. Vas-y, toi. Merci, Doty. Elle reviendra. Le spectacle doit continuer. Moi, mais Connie, c'est autour de... Tata! Quel suspense! Ça pique de l'eau! Des muffins piquants? Cette année, on en voit vraiment de toutes les couleurs. Regardez comme je joue. Oh! Suivante, s'il vous plaît. Ce qu'il nous faut ici, c'est de la magie. Abracadabra. Et maintenant, la balle va disparaître. Hein? Abracadabra. Et revoilà Léa! Pas de problème! Et maintenant, disparaît. S'il vous plaît, écoutez. Là, ça a marché. Merci. Sortez de la scène. C'est incroyable, ça. Quelle ténacité. J'abandonne. J'en peux plus. Restait-il des concurrentes en lice? Bon, puisqu'il n'y a plus personne, le prix revient à... Friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever you go, super! Ça, c'était vraiment inattendu. No matter how. Une belle surprise. Dans ces moments-là, je peux pas m'empêcher d'être émue. Together, we'll see the world unleash. Super, bravo. Here with me. Oh, wow. Cry babies, magic tears. C'est pas encore arrivé. J'ai trop hâte que ça arrive. Mais il devrait déjà être là. Tu verras, c'est un truc incroyable. Super! Ça y est, il est là, il est là! Enfin, il est arrivé! Trop cool, ça me fait très plaisir! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il?
C'est le Super 3000 Plus. C'est un robot arrosoir. Waouh, c'est vraiment génial. Ça va m'aider à arroser mon jardin bio. C'est trop mignon. C'est quoi tous ces dessins? Voyons voir. Je crois que ce sont les instructions. Mais j'y comprends absolument rien. Moi non plus. Je suis sûre que Nala et Léa peuvent nous aider. Allons les voir. Prends ça. Je vais rester avec Lady. Ne touche pas à l'arrosoir. Je te connais, tu sais. Ok. Du robot arrosoir de Katie. Si je le laisse comme ça, il a pas l'air cassé. Oh, regarde ce que t'as fait! Mon robot arrosoir! Kuni, c'est ta faute? Je l'ai juste touché un petit peu. Je m'en suis pas rendu compte, tu sais. Je suis désolée, Katie. Je suis vraiment, vraiment désolée. Bon, mais c'est pas la peine de... Attention! Allez! Le robot arrosoir a perdu la tête! Prends garde! Ah, génial! J'ai trouvé la tétine dorée! Les choses. Je mords pas. Mais oui, tu as été très courageuse. Et je suis sûre que tu l'as pas fait exprès. Tu nous as sauvés. Et en plus, t'as fait un sacré saut. Alors, vous n'êtes pas fâchée contre moi? Mais bien sûr que non. Ce n'est qu'un robot arrosoir, tu sais. Enfin, les 3000 plus. Tu sais quoi? Il n'est pas cassé. Je voulais un robot fontaine. Pas le super robot arrosoir. Faudra que je fasse plus attention. Hé, hey, les filles! Et moi, je promets de ne plus toucher les boutons. C'est le oui! Voyons si elle est ici. Et voyons par là. Et encore par là. Je t'ai eu. Viens ici, Lisa. Je t'ai eu. T'as pas le droit de te cacher une fois de plus. Allez, arrête tes blagues. Lisa,
où es-tu, Lisa? Ah! Waouh, génial! Ah! Hein? C'est quoi ce livre? Fantasy World? Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Lisa! Oh! Regarde ce que j'ai trouvé! Une baguette magique! Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est super, cette baguette! Bien mieux que la mienne! Hein? Lisa? Qu'est-ce qui t'arrive? Waouh! Elle est vraiment magique! Allez, on va l'essayer! Tu veux qu'on partage? D'accord, une moitié pour toi, une moitié pour moi. Mais t'as mangé ma part? Non, c'est pas vrai, c'est toi. Tu mens, je veux ma part. Je mens pas, moi. Chut. J'ai gagné. Impossible. Ce pion n'était pas là tout à l'heure. T'as triché. Tu dis que je suis une tricheuse. Moi? Je veux plus jouer. Va chercher la balle, Spat. Allez, encore une fois, vas-y. Trop rire, Spot. Non, mais regarde ce que tu as fait. Bah ça, je m'en doutais. Ah, bah on a tout compris maintenant. C'est de ta faute. À cause de toi, j'ai pas eu de gâteau. Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Ça vous a pas fait rire? J'ai pas trouvé ça drôle du tout. Tu m'as fait perdre. C'est vraiment pas drôle. Tu comprends? Et moi, qu'on me salisse avec du gâteau. Je m'en vais. Moi aussi. Non, mais restez, c'était juste pour rire. J'ai une baguette magique, regardez. Je sais. Fais-moi confiance. Baguette magique. Et nous, on regrette de s'être fâchés. On sait que tu as un grand cœur. Magic Tears! Waouh! Wow. Wow. Ça, c'est un sacré gâteau. Un échiquier géant. Waouh! Trop fort! Merci, Lala. Ah, mais ça, c'est chouette. Vous allez voir tout ce que je peux faire avec ma baguette magique. Hein? Elle était juste là. Dites, vous auriez pas vu Lisa par hasard? Lisa! Qu'est-ce que tu fais, Wendy? Je cherche une constellation en forme d'étoile bleue. Moi aussi, je veux faire ça. Je peux t'aider? Bien sûr, monte, viens. À droite, on peut voir la constellation de l'arc-en-ciel.
trop beau, toutes ces couleurs. Tu verras la nébuleuse gravitatoire gelée sur ta gauche. Gravita quoi? Oh, c'est pas grave. Regarde, on voit la lune. Hein? Mais j'arrive pas à voir la constellation de l'étoile bleue. Je sais, moi non plus j'y arrive pas. Cette constellation est la seule que je n'ai pas encore dessinée. Elle est tellement loin qu'on ne la voit pas. Ah, bonne nuit, Missy. Je réessayerai demain. Mais c'est quoi tout ce bruit? Attends, mon nom de profil est beaucoup mieux. Mais je l'ai déjà pris, celui-là. Coucou. Hein? Dites les filles, vous savez d'où vient tout ce bruit? C'est infernal. Oui, c'est Missy. Elle est occupée à une de ses inventions géniales. Ah, comme ça, c'est Missy. Missy, tu fais beaucoup trop de bruit, enfin. Tu sais, moi, j'essaye de dormir. Bonjour, Wendy. Oh. Tiens-moi le marteau, s'il te plaît. C'est bon. Maintenant, passe-le-moi. Ça y est. J'ai passé toute la nuit à travailler sur ta navette spatiale. Tu vas enfin pouvoir te rapprocher de ta dernière constellation. Et on pourra organiser des voyages pour tout le monde. Bon, il manque peut-être un petit réglage ou deux. Missy, je crois que ça va pas marcher. Mais merci beaucoup. Tu es une vraie amie. Magic Tears! Waouh! Wow! Regarde, celle-là n'a vraiment besoin d'aucun réglage. C'est incroyable! Ouais! Il y a même un manuel d'instruction. Prends-moi en photo ici. On est très belles. Ah! La navette spatiale, elle va décoller. Wendy, non. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je sais pas ce que j'ai touché. Du calme, pas la peine de pleurer. Tout le monde dehors. Ah. Je suis un génie! Missy, que s'est-il passé? Wendy, Lena, Lady et Loulou sont partis dans l'espace! Et bah... Comment vont-elles redescendre? Descendre? Bon, ben... Descendre! C'est vrai! Comment vont-elles descendre? Oulala, quelle peur! Heureusement qu'elle n'a pas décollé. On a failli aller dans l'espace. Regardez, il fait déjà nuit. La journée est passée vraiment vite. Lena, il fait pas nuit. Oh, on est dans l'espace! La constellation cachée, deuxième partie. Qu'est-ce qu'il y a? Wendy, Lena, Lady et Loulou sont allés dans l'espace en navette spatiale. Et on ne sait pas comment les faire redescendre. Je voulais juste que Wendy puisse voir sa constellation de l'étoile bleue. C'est le manuel d'instruction, ça? Il faut le lire. C'est là qu'on verra comment le faire redescendre. Mais comment leur dit, nous? Elles sont là-haut et nous ici. Je suis sûre qu'un de ces boutons peut nous faire redescendre.
Mais lequel? Je suis sûre que Missy le sait. On est au milieu de l'espace. Hein? Aouh! Mais oui! Le cry mobile! Katie a bien une tablette, n'est-ce pas? On peut l'appeler. C'est Lena, Wendy et Lady. Je les ai sur la tablette. Génial! Ah! Enfin, vous êtes là. Pas de problème, on va vous aider. Mais comment? C'est ta navette après tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon, du calme. La navette a des boutons de couleur. Pour atterrir, il faut une combinaison spéciale. C'est très important que vous le fassiez ensemble. Attention, parce que vous n'avez droit qu'à 3 essais. Après, vous n'aurez plus d'énergie de l'arme magique. La combinaison est... rouge, rouge, bleu... vert, rouge, vert, bleu et jaune. D'accord, c'est compris. J'appuie sur le rouge, rouge et bleu. Lena appuie sur le vert, rouge et vert. Et Lady appuie sur le bleu et le jaune. Est-ce que vous êtes prête? Prête pour quoi faire? Maintenant! Loulou, non! Premier essai manqué. Ah! On est à l'envers! C'est pas de ma faute. Loulou, c'est de ta faute. C'est pas grave, vous avez encore 2 essais. Allez les filles, ce coup-ci, il faut que ça marche. Allez-y. Mais, il est où? Je peux pas trouver le bouton jaune. Deuxième essai manqué. Oh non, elles n'ont plus qu'un essai. J'ai trouvé! Je sais où! Le bouton jaune est au sol. Oh non! La tablette s'est éteinte. J'ai passé toute la matinée à regarder comment on cultive les oignons. Où ça? Missy, j'entends rien du tout. Où est le bouton? Oh non! Ça s'est coupé. On a perdu la communication. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Hein? Le sol? Le sol est un grand bouton. Ouais! Ok, prête? On va y arriver ensemble. 1, 2 et 3. Elles ne reviendront jamais. Qu'est-ce qu'il y a, Wendy? J'étais si près de la constellation de l'étoile bleue et j'ai même pas pu la voir. Loulou, c'est quoi ça? Waouh! Wendy, regarde mes photos. Les photos qu'a pris Loulou. J'arrive pas à y croire. C'est ma constellation de l'étoile bleue. À partir de maintenant, on appellera cette constellation la constellation de Loulou. Magic Tears! Waouh! Très bien! Bravo! Fantastique! C'est fantastique! Regarde, Lou, ta constellation. La bulle parfaite. J'adore les bulles. Ce serait génial de jouer avec des bulles si grandes que quand elles explosent, il pleut. Imagine si elles étaient assez dures qu'on puisse les monter comme des poneys. Oh, celles-ci sont trop petites et impossibles à attraper. J'ai la solution. On doit créer la bulle parfaite. Ouais! La science des bulles est très complexe. Avec cette recette, on va pouvoir faire la bulle parfaite.
On va avoir besoin d'eau, de savon et... la super machine à bulles 3000 plus. Waouh. Wow. Quelle invention. C'est trop fort. Et la couleur est magnifique. D'abord, on doit faire le liquide pour les bulles. Je vais ajouter de la peinture pour qu'on ait des bulles de couleur. Et moi, je vais mettre du parfum pour que ça sente bon. Et moi, je mets mon gâteau à la fraise pour qu'elles aient bon goût. Bah, les bulles, ça se mange pas. Non, non, ne rajoutez plus rien. On doit suivre la recette. D'accord, ok. Le liquide est prêt. Maintenant, tout le monde souffle. Hein? Lady, j'ai dit tout le monde. Oh, ok. Qu'est-ce que tu es autoritaire? Allez, les bébés! On inspire. À la une, à la deux, à la trois. Soufflez, soufflez, soufflez plus fort. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle. Les amis, vous êtes prêts? Elles sont grosses, ces bulles. Mais elles explosent tout de suite. Elles ne sont pas parfaites. Je sais ce qui se passe. On doit ajouter un peu de savon. Oui, oui. Plus de savon, plus de savon, plus de savon. Je crois que c'est trop. Il n'y a jamais trop de savon. Oh. Personne ne bouge de son poste. C'est une situation dangereuse. Les filles ont mis beaucoup trop de savon. On ne sait pas ce qui peut se passer. Que faites-vous, là? Retournez où vous étiez. Et regardez. Mais qu'est-ce que... Ah! Au secours! Cette bulle est indestructible. Vous avez mis trop de savon. Je vous avais dit de suivre la recette. Vous croyez que tout est un jeu? Et regardez maintenant ce qui arrive. Bien sûr, un jeu, c'est ça. Vous vous rappelez comment on a fait éclater les petites bulles? Hein? En juin! Je sais tout sur la montagne fantasy. Ah,
C'est toi qui es fantastique. Aïe. Hein? Pauvre bébé. Venez, on va l'amener chez moi tous ensemble. Super! Aïe! Tu vas arrêter, Bruni. Tu dois l'accepter. Tu ne peux pas voler. Ça va, j'apprends, Dreamy. Mais mon vrai talent, tu sais, c'est d'arrêter le temps. Arrêter le temps? Rien que ça. Ça, c'est un pouvoir. C'est vraiment bon, ça. Viens, Bruni. On va retrouver Feli. Coucou. Poussez-vous, je veux voir. Où suis-je? Dans la vallée. Et t'es qui, toi? Je m'appelle Feli. Et tu viens d'où? Au juste, de la montagne fantasy, par le portail. Ouh là là, il a dû se faire très mal à la tête. Je vais aller prendre sa température. Mais non, je vous l'ai dit, c'est un fantasy. Alors, est-ce que tu as des pouvoirs? Tu peux voler et disparaître? Est-ce que ça existe un toboggan en nuage? Et... Ah bah le voilà, tu relaxes. Viens, on y va. Non, attendez, Feli, comment on fait pour aller à la montagne fantasy? Par le portail. Il faut trouver un cœur ailé. C'est pas très facile à voir. Tape dans tes mains trois fois, mets les mains sur la tête, à la taille, saute en avant, saute en arrière. Plus tu bouges, plus tu as de chances que ça s'ouvre. Écris. Un petit pas par ici, un petit pas par là, et le portail fantasy s'ouvrira. Mais c'était vrai! Alors, vous me croyez maintenant? Allons à la montagne fantasy! Mais comment on va faire pour trouver le portail? Hein? Je me dépêche, j'arrive tout de suite. Je dois aller chercher toutes mes affaires. Pouvoir. Aujourd'hui, je vais surveiller la fontaine. Oui. Coucou. Jenna, fais attention. Et voilà. Vous avez vu ma pirouette? Ce qu'on a vu, c'est que tu vas comme une fusée déchaînée. C'est tous les jours pareil. Tu dois essayer de faire un peu attention. J'en ai presque perdu ma jolie fleur. Et moi, mon klaxon. Ah, et moi, ça me stresse. Je croyais que ça leur plaisait quand je volais.
Je cause plein de problèmes. Je fais tout mal. Puisque c'est comme ça, j'arrête de voler. Comme ça, je gênerai plus personne. Pas de vol et l'air sera paisible. Et la montagne fantaisie aussi. Attrape-moi. Je vais mettre des marshmallows dans le four. Tu pourras me les surveiller, s'il te plaît? Reviens tout de suite. Bien sûr. Si tu entends un bruit, tu viens en volant et tu éteins le four, d'accord? Oui, oui. Où? J'ai oublié le klaxon. Tu pourras aller me le chercher en volant. Je ne volerai pas. Tu peux les laisser chez moi, s'il te plaît? C'est de la peinture magique pour les pinceaux magiques. Il faut que j'aille au lac. Merci. Hein? Tiens, essaie. C'est des nouvelles saveurs. Ok. Il fallait que je fasse... Ah oui, le klaxon. La peinture de Rosie! Les pinceaux magiques! Ils peignent avec de la glace! Quel désastre! Regarde autour de toi et tu verras ton don. Tu parles de moi, là? Tu ne te rends pas compte? Tu ne t'es jamais arrêté de voler, Jenna. Et quand tu l'as décidé, tout s'est arrêté. Tes vols bougent le monde entier. On a besoin que tu voles. Mais quand je vole, je cause beaucoup de problèmes. Et je ne veux plus du tout vous gêner. Je ne volerai plus. Il ne s'agit pas de ça. Voler, c'est ta nature, dans le fond. Tu dois juste faire un tout petit peu plus attention quand tu voles. Et c'est tout. Dans ce cas, vole! Je reviens tout de suite. Faites-moi confiance. Oui! De la sucette enchantée. Spot, je t'ai dit que les gentils chats n'aboyaient pas la nuit. J'en crois pas mes yeux. Je suis en train d'halluciner. Mais c'est réel! Vous pouvez pas
Vous imaginez comme j'ai eu peur. J'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit. Mais ça n'existe pas des tétines en diamant. C'est impossible. Et encore moi qui vole. Tu as dû rêver, Dotty. Mais nous, je l'ai vu s'envoler par la fenêtre. N'est-ce pas, Spot? Je trouve ça très étrange. Allez, vas-y, Spot, confesse. Où as-tu mis la tétine en diamant? Mais c'est pas Spot, je vous dis. Dotty avait raison. Ce sont les fantasies. On dirait qu'elles savent quelque chose. Bien sûr qu'on est au courant. Dotty a rencontré la tétine hantée en diamant. Vous voyez, je vous avais dit que c'était la vérité. La légende raconte qu'une fois tous les 100 ans, une tétine en diamant apparaît. Et elle est habitée d'un fantôme très coquin. Il n'y a que les cupcakes qui lui font peur. Une tétine enchantée, tu as dit? Ça a l'air complètement effrayant. Je vais aller faire des tas de cupcakes. Les bébés, n'ayez peur de rien. Il y a un mystère, c'est sûr. Le détective Camille se met à votre disposition pour le résoudre. Si ce fantôme revient, nous serons ensemble et rien au monde pourra nous vaincre. Moi, je n'en crois toujours pas un mot. Les fantômes, ça n'existe pas. Je le découvrirai grâce à ce super déguisement. Hey, réveille-toi, espèce de petit loir. J'ai préparé des tas de biberons et de cookies pour nous protéger. Merci, Connie. Les bébés! Hé, il faut pas les manger, c'est pour faire peur aux fantômes. Qu'est-ce que c'est bon! J'ai même plus peur maintenant. Il est juste derrière moi, c'est ça? Au secours! J'ai l'impression que mes cookies font aucun effet. Mais je croyais que le fantôme avait peur des cupcakes. C'est passé comme une lettre à la poste. Et nous, les cupcakes, comme des télégrammes. Vous auriez dû voir la tête de Dotty quand la tétine est apparue. Ah ah! Maintenant, je comprends parfaitement tout. Les petits fantômes aiment bien les cupcakes de Connie, hein? Puisque c'est comme ça, on va jouer leur jeu. Bon, je vais aller à la vallée en chercher d'autres. Oui, moi j'en vais à la fraise. Et moi au chocolat. Allez-y! Tenez, les voilà, vos cupcakes fantômes de pacotille. Tu parles des cupcakes, tu parles d'une légende. Vous voulez bien nous pardonner, c'était juste une blague. Tiens, je te donne ma merveilleuse tétine en diamant. Merci beaucoup. Mais on s'est vraiment bien amusés. J'adore faire des enquêtes. Vous voulez des cupcakes? Regardez sa larme bleue foncée. Fantasy Magic Tears. C'est presque l'heure de la fête du thé. Ils se reprennent quand les cupcakes. Ils sont dans le four. Encore quelques minutes. Pandy va adorer ma nouvelle vaisselle. Elle est belle, n'est-ce pas? J'arrive. Oh, Gigi est arrivée. Tu viens? Et Pandy, c'est l'heure de... Allez, on se dépêche. On part en pique-nique. C'est un endroit génial. Et il y a des murs
énorme. Oui, allons on va chercher des murs. Hein? Et ma fête du thé alors? Cutie, sors les cupcakes du four. On part faire du camping. Tu vas voir comment on va s'amuser. Tu vas adorer. Je n'aime pas la campagne. Oh! Yay! Hey, vous avez vu Cutie? Elle est parfaite. On la fixe bien au sol et voilà. Mais où est-ce que tu vas avec tout ça? J'ai pris que l'essentiel. Tout ça, ça ne sert à rien à la campagne. Ma boussole est bien plus utile. Regarde. N'importe quoi. Lady, Gigi, venez chercher des murs avec nous. Allez, viens, Lady. On va s'amuser. Aïe! Pan! Où es-tu? Pan? Pan! Lady, allez, viens, on doit y aller. Mais qu'est-ce qu'elles sont grandes? Hein? Je sais qu'elles sont vénéneuses. Je ne les toucherai pas. Ouais! Dites-moi quand vous aurez fini. Mais tu peux pas dormir là. On doit partir en groupe, enfin. Il faut qu'on reste bien ensemble pour ne pas se perdre. Alors ça, c'est la meilleure. Lady! Mais enfin, Lady, n'aie pas peur. J'ai pas peur. Je cherchais des jolis murs. Très bien. Mais on doit y aller, là. Il commence à faire nuit. Bon, pas de problème. Je sais comment rentrer. J'ai ma boussole. La boussole, c'est ennuyeux. Je sais retrouver le chemin. C'est quoi ça? Fais attention, Lady. Cache-toi. Est-ce que je dois tout faire? Waouh, ça a été incroyable. Viens, c'est par là. Non, c'est par ici, suis-moi. Je meurs de faim. Je changerai même mon parfum contre un cupcake de Connie. J'ai faim, c'est encore loin. Gigi! Lady! Merci Gigi, tu m'as sauvée grâce à ta boussole. En fait, tu sais, j'avais très peur. Et toi, que tu avais ton parfum. En fait, on fait une bonne équipe toutes les deux, n'est-ce pas? Magic Tears! Wow! Il ne manque plus que tes cupcakes, Connie. Oui, mais j'arrive pas à trouver Cutie. Pas trop tôt. Cutie, Pan, vous êtes les meilleurs. En fait, ouais, la campagne, c'est gentiment. Ouais. Merci, les amis. Le traducteur de Pets. Je vous avais dit que Loua était géniale. Qu'est-ce qui vous fait rire? Loua raconte les meilleures blagues de toute la vallée Biberon. Ah, moi aussi je veux rigoler. Moi aussi. Mais Lucie, je comprends rien en fait. Ben moi non plus. On veut tous comprendre Loua. Calmez-vous les bébés. Vous allez maintenant découvrir
notre médium. Tina! Je vous attendais. En quoi puis-je vous aider? On voudrait... Ne me dis pas. On aimerait bien pouvoir comprendre Loa. Vous voulez pouvoir comprendre Loa? J'ai juste ce qu'il vous faut. Et voilà, le casque des mots. Oh, j'adore le nom. Et ces lumières, elles sont juste trop mignonnes. On va l'essayer. Allez, Loa, raconte-nous une blague. Dans la vallée, on m'appelle la chèvre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est trop fort. Dis, Lucie, tu pourrais pas lui permettre de rester ici le week-end? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, si vous voulez. Pourquoi la mer ne sèche jamais? Parce qu'elle n'a pas de serviette. Trop drôle, trop fort. Raconte des blagues. Je sais faire d'autres choses. Regardez. Je suis un martien. Je viens envahir votre planète. Je suis un robot. Bip, bip, bip. Je suis un monsieur moustachu. Toi, t'es la personne la plus drôle qu'on ait jamais vue. Tu es si drôle. Je t'offre une glace aux étoiles filantes pour te remercier. Et moi, je te donne des bulles danseuses. Et moi, je t'offre une tempête de paillettes. Loua, 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 Loua. Loua, on y va. Enlève ton casque. Je veux pas, faut que je fasse mon show. Je suis une star de la comédie, tu sais. T'es une quoi? On voudrait que Loua reste quelques jours de plus. Elle est tellement drôle. Oui, mais on doit rentrer à la maison. Allez, Lucie, sois pas comme ça. Laisse-nous jouer encore un petit peu avec Loua. Bon, d'accord. J'espère que je te manquerai un petit peu quand même. Je vous présente la superstar Loua. Un artiste a aussi besoin de se reposer. On t'attend devant l'arbre géant. Allez! Mais j'étais en train de jouer. Dépêche-toi, tu joueras plus tard. On t'attend dans le nuage en coton. Ouais, Loua, faut qu'on te retrouve. C'est quoi la fin de la blague du pompier? J'en peux plus, je veux rentrer à la maison. Ah, voilà Loua. Loua, Loua, Loua. Non. Loua, Loua, Loua. Une autre blague. S'il te plaît, le robot. Allez, viens. Loua. Loua, Loua. Est-ce que ça va? Je commençais à m'inquiéter, tu sais. Je veux plus raconter de blagues. Je veux rentrer à la maison avec toi. Oh, on a un peu exagéré, non? Mais c'est parce que t'es trop drôle. On passerait nos journées à t'écouter. Attends, je t'enlève le casque. Loua dit qu'on reviendra un autre jour. Là, c'est vraiment l'heure d'aller au lit. Ah, Lucie, je te promets que la prochaine fois, on s'occupera très bien de Loua. Ne t'inquiète pas. Fantasy Magic Team. Crystal est malade. Je crois que c'est par là. Crystal dit toujours que sa maison est originale. Ben moi, je trouve que toutes les maisons sont pareilles. Bonjour les bébés. Bonjour, tu sais où habite Crystal? On aimerait aller la voir parce qu'elle est malade. Bien sûr,
Je viens avec vous. Sa maison est plus haut sur la colline. Ta-da! Oh, c'est super! J'adore, c'est trop joli. Elle est comme Cristal. Bonjour, Cristal est là? Cristal, comment te sens-tu? Je t'ai amené un cadeau. Merci. Mais là, vous savez quoi? Je n'ai pas très envie de nager, les amis. On va voir comment tu vas. Oh, elle est brûlante. On va lui faire descendre la fièvre avec un linge humide. Boum, boum, boum. Son cœur bat à 300 à l'heure. C'est dingue. Oh là là, tous ces boutons. On dirait une paella. On va lui faire une piqûre. Non, non, je vais beaucoup mieux, ça ira. Aïe! Hé, qu'est-ce qu'il fait ici, ce singe? Quoi, un singe? Mais il n'y a pas de singe ici. Tu peux m'apporter une noix de coco de ce cocotier, s'il te plaît? Petit singe, tu peux me donner une noix de coco bien fraîche? Mais descends de là! Tu fais quoi, là? Cette fièvre, ces hallucinations et ces plaques rouges, c'est la fièvre des neiges. Ne vous inquiétez pas. Dans deux petites heures, elle sera complètement rétablie. Quoi? Il tient à l'intérieur de la maison? Le plafond est en train de fondre. Ah, merci, petit singe. Cristal a vraiment de la fièvre. Il faut arrêter ça, sinon son igloo va fondre complètement. J'ai tout essayé, moi. Il faut attendre que ça aille mieux. C'est tout. Pas la peine de paniquer. Je cours lui faire un bon thé. Je suis sûre que ça lui passera tout de suite. Vous avez une meilleure idée, vous? Laissez-moi réfléchir. Oh non, oh, je sais pas quoi faire d'autre. Bon, on va essayer de l'asseoir. Et si on lui soufflait tous dessus? Waouh, ils sont trop mignons, ces petits singes. Tu vas voir, c'est un thé spécial. Il soigne toutes les maladies. Merci pour la noix de coco, petit singe. Le thé est beaucoup trop chaud. Il faut refroidir l'igloo tout de suite. Oh, je sais. Je m'en sers sur mon traîneau pour aller plus vite. Eh, on dirait que ça marche. Oula, j'ai pas envie de monter sur la grande roue, les amis. J'ai la tête qui tourne. L'igloo continue de fondre, même avec le ventilateur. Très bonne idée, Pan. Faites vite, il faut recouvrir tous les glous. Qu'est-ce que je suis fatiguée. J'en ai même mal aux cornes, vous savez. Hein? Mais vous êtes encore là? Merci, les amis, je me sens bien mieux. Attends, je veux en être sûre. Oh! Ah, enfin, ta fièvre est descendue. Eh ben, tu veux un petit massage? Un petit gâteau? Tu veux que je te lise un conte? Non, je voudrais dormir encore un peu. Attendez, et toute cette glace? Tu avais tellement de fièvre que tout l'igloo était en train de fondre. C'est pour ça qu'on a couvert ton igloo de glace. C'est Snowy qui a eu l'idée. Oh, vous êtes géniaux. Non seulement vous m'avez guéri, mais en plus, vous avez sauvé mon igloo. Chaud aujourd'hui. Pourquoi vous venez pas ici? C'est merveilleux. Ah, c'est bien. Nous, on n'a jamais trop chaud. On reste bien au frais sur notre petit nuage.
Je crois que j'ai une idée pour que tu aies moins chaud. D'accord, mais dépêche-toi. J'ai le cerveau qui va fondre. Oh. Waouh, mon cupcake s'est transformé en glace. Pas ma poussette, non. C'est délicieux, hein? Burk, vos glaces sont très bizarres. Oui, ici dans la montagne Fantasy, on fait des glaces avec toutes les choses qu'on aime. Et nous, on adore ça. La mienne est délicieuse. Tu vois? Je vais goûter. Je vais goûter. C'est trop bon. Bien sûr, ça a le goût de cupcake et pas de choses. Eh ben moi, je préfère les parfums des choses qu'on trouve ici. D'accord. Et si on mélangeait mes cupcakes avec vos drôles de glaces? J'en ai fait des tas. Je crois que si on les mélange avec tous ces objets, on aura des glaces qui plairont à tout le monde. Quelle bonne idée! Un chapeau plus de la fraise, un chapeau fraise. Un biberon plus du chocolat, un choco-biberon. Un ballon plus de la vanille, un ballon vanille. Ce parfum est très original. Oui, c'est vraiment rafraîchissant. On va appeler ça la fusion magique. Allez, venez. Oui, allons en préparer plus. Ça rafraîchira tout le monde. Et apportez les glaces chez moi. Chez moi aussi. Et chez moi aussi. Alors, comment je vais faire pour livrer toutes ces glaces? J'ai une surprise pour toi, Conille. Vas-y, tu peux regarder maintenant. Ouais. J'ai fait des améliorations sur ta poussette. Comme ça, tu pourras livrer des glaces à domicile. Super! Alors, en avant les glaces! Oui! Super! Quoi? Ça me vient quand on fait des glaces. Des glaces! Elles sont très bonnes! Des glaces! Une glace à la vanille, s'il te plaît. Et voyons quel goût ça a au tambour. Voyons ce que ça donne avec un tambour. C'est trop rigolo! Alors, de la glace! De la glace, de la glace, de la glace, de la glace, de la glace. Merci, et ben moi je vais me faire une glace au snowboard. Et voilà, il y en a plus, ça y est. Ça, c'est pas le parfum que je t'avais demandé. Tu peux m'en faire une autre? Je veux une triple glace. J'ai chaud. Connie, ce sera prêt quand? Attention les bébés, il nous faut... Hein? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh ben, on n'a plus de choses. Regardez, il reste encore ce frisbee. Non, restez là. J'ai besoin des frisbees. Mais revenez. Les bébés veulent de la glace. Rendez-moi ça. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui arrive à Connie? On lui a fait trop de commandes de glace à la fois, j'ai l'impression. Connie, on a trop fait. Il faut qu'on fasse quelque chose pour la remercier. On va lui faire une surprise. Vous nous aidez? On a choisi nos objets préférés. Et... Fantasy Fusion, transforme-les en glace. Waouh! Des couleurs magiques. C'est énorme. Connie, c'est pour toi. Pour avoir été si sympa avec toi. Waouh! C'est la glace la plus délire rafraîchissante du monde. Magic Tears! C'est un stand de glace self-service! Ouais! Pourquoi tu n'as pas pensé plus tôt? Ouais! Ouais! Super! Quelle bonne idée! Eh ben moi, je préfère quand même le parfum des choses. Citrouille. Wow.
droite. À gauche. À droite. Vous faites tourner la tête. À gauche ou à droite? Décidez-vous enfin. C'est bon, t'inquiète pas, je vais t'aider. À droite, mais juste un petit peu. Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Je suis bien là. Est-ce que je suis au bon endroit? Où est-ce que je dois frapper là? Je comprends rien de ce que tu racontes. On dirait un éléphant enrhumé, c'est dingue. Je crois que je vais m'évanouir. C'était quoi ça? La fête de Halloween va commencer. C'est une citrouille zombie. Va pas trop vite. Calme-toi, je t'écoute. Je comprends rien, Scott. Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es resté coincé ou quoi? Y'a rien à faire, j'y arrive pas. On n'a qu'à aller à la fête pour demander de l'aide. Moi, je trouve que la citrouille, c'est un déguisement parfait, tu sais, Bonnie. T'es sûre que tu ne préférerais pas attendre jusqu'à demain? Au secours! Le monstre est revenu! Monstre. Si tu donnes la main à un monstre, il peut te la mordre, tu sais. Dis, tu ne crois pas que t'exagères un petit peu, là, là, là. Mais vous allez où? C'est pas un monstre. C'est Bonnie. Regardez, le monstre est en train de pleurer. Mais les monstres, ça pleure pas. Peut-être que c'est vrai et qu'en fait, c'est Bonnie. Ça fait des heures que je vous le dis, les bébés. On n'arrive pas à lui enlever la citrouille. Je suis désolée de t'avoir appelé monstre. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Mais pas comme ça. Tu vas lui faire mal. Je sais. Et si on mangeait la citrouille? La citrouille crue? Brrr, c'est dégoûtant. On doit tous tirer en même temps dessus. Quand je dirai 3, 1... 2, 3! On n'a plus qu'à recommencer. Je regarde la lune. Wendy, tu m'aides à sortir de ça? Vous avez vu les cratères de la lune? On dirait des yeux, pas vrai? Lady! Attends, laisse-moi faire. Je m'y connais en tresse. Ça, ça va là. Aïe! Ça, ça va là. Aïe! Wendy, aide-nous. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Je vais vous délivrer. En avant. C'est marrant. Ça fait tourner la tête comme un manège.
Sandy, tu peux venir nous aider? Tu veux bien défaire ce nœud, s'il te plaît? Vous avez vu comment la lune sourit? Ah, vite! Ah, 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 ah. Wendy et sa lune, elle est toujours dans les nuages. Elle fait pas du tout attention à nous. C'est pas une vraie nuit. Elle ne pense qu'à elle. Elle a même pas voulu nous aider. Tu pourrais aller chercher mes cimes? Je sais vraiment pas par recommencer. Tu veux que je t'aide à le réparer? Tu sais comment faire? Je crois pas que ce soit plus difficile qu'une équation d'astrophysique, non? Regarde, le volant va là-dessus. Mais ça, c'est une roue. C'est ça. La roue se met par terre, là. Vous savez combien de roues il y a, en fait? 4. Vous avez besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Je vais le réparer. On a juste besoin de tourner ça là, et puis ça là. Je vais le réparer. Ça sert à ça aussi, les très bons amis. Ta-da! Vous pouvez compter sur moi pour tout ce que vous voulez. D'accord. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Et ce truc-là? Salut, t'as besoin d'aide? Non, merci. J'ai presque fini. Je suis très contente de moi. Je vais aller aider ma super amie Lady. J'aurai besoin que tu me répares ma voiture. C'est une catastrophe. Regarde ce qu'elle a fait de la barrière de Katie. Non, je vais les ramasser. C'est un désastre tout ça. Elle essaye de nous aider, mais si ça continue, on va se retrouver cloués à la barrière ou collés à la roue. Quelqu'un doit lui dire de s'arrêter. Je vais t'aider, mon ami. Non, pas la peine. Ma voiture. Ça suffit. On va arranger ça tout de suite. J'aurais dû te demander de m'aider à réparer les choses. Je suis nulle. Ben en fait, je me débrouille pas trop mal. On peut travailler ensemble quand tu voudras. Et en plus, tu n'es pas nulle. Tu es un expert en astrologie. Et j'adorerais apprendre avec toi. C'est super. Avec ça, on va pouvoir voir la lune tous ensemble. Ne t'inquiète pas, Winnie. Je vais le réparer. Non! Aventure en camping-car. Qu'est-ce que ça brûle? C'est incroyable. Waouh, c'est dingue. Fais voir. Un diamant fantasie, un trésor. Ça m'en vaut à votre avis? Vous cherchez un trésor, les bébés? Hein? Et voilà. Cette carte vous amènera
au grand rubis rouge sur la turquoise géante. La légende dit que la grande exploratrice Caramel Jones, dans une de ses grandes Avis aux explorateurs, allons chercher le trésor. Waouh! Wow. Ouais! C'est trop cool. Il y a même un canoë et un vélo. Il y a même un lit pour se reposer. Oh là là! Allez, on y va! Vous restez ici. Vous aurez bien trop peur. Et puis, c'est trop dangereux. Tout le monde en camping-car! À l'aventure, on va! Quali, va plus vite! Quali, on est bientôt arrivé. Regarde les maisons! Qu'est-ce qu'elles sont belles! Et comme elles brillent! Oh, j'ai trop envie de faire pipi! Hein? Viens, Quali, c'est par là! Hé! Hey, attendez-moi! Êtes-vous sûr que les arbres bleus sont par là? Et si on retournait au camping-car? Hors de question. On doit trouver le chemin rond. Et le trésor. Je les ai trouvés, c'est les deux arbres bleus. Tu crois? Et la piste ronde? Il faut qu'on fasse deux pas à droite et puis deux pas à gauche. Droite, droite, gauche, gauche. Oh, on est en même endroit. Il n'y a absolument rien par ici. La carte est fausse. C'est trop difficile, ça. On trouvera jamais le grand rubis. Ni la turquoise géante, à mon avis. Ouh, regardez ce que j'ai trouvé. Ah bon? La piste ronde? Ouais, ouais. On doit suivre la piste. Allez, vite au camping-car. Hein? Quali, c'est pas ton camping-car, ça? Quand? C'est pas grave. Vous avez presque cassé le camping-car. Heureusement, vous allez bien. Oh, on a perdu la balle. Et le trésor. Non, regardez! Le trésor! C'est le grand rubis rouge sur la turquoise géante. Ah, mais que c'est joli! C'est super beau. Ils ont cru l'histoire de la carte de Caramel Jones? Je sais pas, mais au moins on est vraiment tranquille maintenant. Léna est un youtubeur. Ouf. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je regarde. Et là? Pareil. Et maintenant? On s'ennuie un peu. On pourrait pas faire quelque chose de nouveau? Je sais. On va voir ce qu'ils sont en train de faire dans la vallée. Oh! C'est quoi ça?
On dirait que c'est des feuilles et des lettres. Regardez, c'est pour porter des jouets. Laissez-moi voir. Oh, c'est Lady. Des morvans couleurs. J'adore. Ils sont vraiment originaux. Et si on allait leur faire une petite visite? Oui, oui. Regardez, Léna. Dis, tu veux bien nous montrer toutes les choses que vous faites ici? Des choses d'ici? Oui. Quand vous faites bouger les choses en soufflant dessus. Quand vous faites des formes de morve délicieuses. Et quand vous jouez avec la boîte des lettres. J'aimerais bien. Vraiment. Je dois y aller là, parce que j'ai plusieurs cupcakes dans le four là. Tu les fais vraiment au four, Léna? Sans faire de magie, on peut voir? Bien sûr. Je suis capable de faire des tas de choses différentes. C'est à Léna que vous vous adressez. L'influenceuse la plus célèbre de la vallée. Vous pouvez voir tout ce que je fais sur ma chaîne, les choses de Léna. Et là, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez avec mes vidéos. J'ai des tas de followers. Oh. Des followers? Mais y a personne là. Alors, elle a parlé d'un canal. Peut-être qu'il faut le mettre dans l'eau, vous croyez pas? Regardez, ça flotte comme un petit canard. Bon ben, on dirait que c'est pas comme ça que... Attendez, vous ne comprenez rien. Je parie que ça marche comme la boîte des lettres. Stop, ça sert pas à ça. Peut-être que c'est le genre de truc qui marche avec une balle. Oh! Ah! Mais ça mord ce truc! Aïe! Oh! Léna! Oh non! Maintenant, Léna est restée enfermée dans ce truc! Vas-y, Léna! Sors de là, enfin! Attendez! Léna a des moves sympas! Oh! Regardez! Salut les amis! Bienvenue sur la chaîne de Léna. Aujourd'hui, nous aurons la chance de parler d'un livre et d'une morve dégoûtante. Moi, je veux le truc avec de la morve. Et moi, la boîte avec les lettres. Laissez-moi voir. Non, moi. Où est-ce que c'est passé? Ça doit être dedans, c'est sûr. Léna, t'es là-dedans? Oui, je suis là. Qu'est-ce que vous faites avec mon ordinateur? Hein? Et mes vidéos, elles sont où? Vous les avez effacées? On est désolée, Léna. Mais ma chaîne, mes followers, je suis une influenceuse. Je sais, on va faire des vidéos tous ensemble et on va t'aider à récupérer ta chaîne. Tu dois juste nous apprendre à être des follow-lo-lo-meurs. D'accord, vous êtes prêts? Ça tourne. Non, pas comme ça. Prends-le avec l'autre main. Hein? J'étais presque eu avec la morve congelée. Tiens, de la morve brûlante. Morve congelée. Morve brûlante. Écoutez bien, on va s'entraîner. On fait comme ça. Maintenant, à votre tour. Prêt? Ça tourne. Ah, c'est dégoûtant. Ne touche pas. Mon doigt mouillé te poursuit. Je serai jamais populaire. J'ai plus de followers à cause de vous. Hey, mais c'est quoi cette manie avec les followers? T'as pas besoin d'avoir des milliers d'amis sur ta chaîne. Tu nous as nous. Qu'est-ce que tu veux de plus? Des followers? Eh ben, les voilà. On va suivre Léna. Ouais. Vous avez raison. J'ai les meilleurs amis du monde ici même. Wow. Oui. Super. Youpi. On va suivre Léna. De l'autre côté. Un petit pas par ici, un petit pas par là, un autre par là-bas et le porte-fantaisie s'ouvrira. La prédiction de Tina. Tu vois? Oui.
Je vole. Ah, aïe. Oh non. C'est bon. Les fantaisies. Aïe. Vous savez quoi? Je voudrais tous vous inviter à... À ton festival de poésie. C'est génial. On va y aller en volant. Ah. Moi, je m'habituerai jamais à ce monde-là. Babi, tu ne dis pas la même chose, hein. Est-ce que Tina sera chez elle? Avec tu viendrais. Rentre, Boubi, tape là. Demain, je réciterai de la poésie en chantant. Je vais chanter une chanson et tout le monde va l'adorer. On est vraiment obligé de venir parce que si je ne le voyais pas, je ne le croirais pas. Tu vois? Moi aussi, je sais faire des rimes de poésie. Arrête, t'as pas l'habitude, toi. Tu pourrais me dire s'il va faire beau, s'il te plaît? Bien sûr, mais j'ai besoin de me concentrer. Concentration. Concentration. Hein? Oh, oh non! Fais attention avec l'eau. Oh, on va tous mouiller. C'est dangereux, l'eau. Elle a parlé d'eau. Oh non, on s'en va. Oh. Aïe. Si je te disais qu'il n'y aura pas de soleil, je te mentirais parce qu'il brillera à merveille. Hein? Quelle course! C'est à cause du trac de la première. Qu'est-ce qui me va le mieux? Ce rose-là ou le rose pâle? Le rose pâle. Il est pas beau, ce rose. Mais non, c'est le rose pâle qui est fade. Oh non, demain c'est la fin du monde. Tina a vu plein d'eau dans sa boule de cristal. Ça veut dire que tout va être inondé. À déluge. Oh Rita, on y va en volant. Ça va être libre. On peut pas laisser la vallée comme ça. On doit se préparer pour l'inondation. Eh ben, à moins que tu aies un bateau chez toi, Lady. C'est ça. Je sais, on va construire un bateau énorme pour tout le monde. N'inquiétez pas, le bateau nous sauvera de l'inondation. Et s'il pleut beaucoup, on surfera. Ouais, mais aujourd'hui c'était mon récital et j'avais très envie de chanter mes poésies. J'aime trop ma maison. Qu'est-ce qui vous arrive? Et pourquoi vous êtes dans une baignoire? Je crois que ça doit être une fête d'ici. Les maisons, la pluie, l'inondation. Mais quelle inondation? Mais t'as vu beaucoup d'eau dans ta boule de cristal. Et tu as dit que tout allait s'inonder. Mais non. C'est Tini qui a fait tomber le biberon par terre. J'ai dit que le soleil brillerait à merveille. C'est vrai? Alors du coup, il n'y aura pas d'inondation? Bien sûr que non. Oui, je vais pouvoir chanter mes poésies. La plus sympa, elle danse au rythme de la samba. Lady est une étoile dans le ciel et elle brille tout autant qu'elle. Qu'est-ce qu'elle est marrante, Tina. Elle aime danser la salsa. Au secours, au secours, dans le ciel. Ta poésie est géniale, mais ta diction est pas terrible. Eh ben, en fait, t'as fait venir la pluie. Et ben, Bonnie, t'as la verre. Cry babies, cry babies, magic tears. Un monde magique, plein de super aventures. À la recherche des papillons cœur. Tu es prêt?
Je vais enfin voir les papillons en cœur. Les dossiers de Cryfy hier soir, ça a été incroyable. Ils parlaient des soucoupes volantes et des martiens. Eh, mais ils sont où les autres? Je vous avais demandé d'être à l'heure. Mais toi, t'arrives toujours en retard. Ah! D'accord. Mais c'est le seul jour de l'année où on peut voir les papillons en cœur. Je peux pas arriver en retard pour un événement aussi exceptionnel. Ah, sympa les nouveaux pyjamas. Super beau. Une photo, une photo. Ce sont nos pyjamas des occasions spéciales. Il faut se dépêcher, sinon je vais rater mon événement exceptionnel. Oh. Quoi, Ali? Est-ce que tout va bien? J'arrive pas à retrouver le camping-car. Et Kao m'attend tout seul à l'intérieur. Le pauvre. Je suis sûre que quelqu'un à la montagne fantasy peut t'aider à le retrouver. On y va. Mais Pandy, tu connais très bien la forêt. Tu dois aider Koali. Mais je veux voir les papillons, moi. Allez, Pandy. D'accord. Si on se dépêche et on se sépare, on aura largement le temps d'aller voir les papillons et d'aider Koali. Concentre-toi, Koali. Quand as-tu vu le camping-car pour la dernière fois? Je me souviens de l'avoir garé dans les arbres. Mais on est dans une forêt. Je t'en prie, concentre-toi un petit peu plus. Désolée, j'ai pas eu le temps de petit déjeuner. Regarde, Nala, il y a des pommes là. Ah, génial! C'est l'heure du pique-nique! Donne-moi plusieurs! Oh! Aïe! J'ai trouvé la tétine en diamant! Oh. Ah. Camille, raconte-moi d'autres choses sur les martiens. Je ne veux pas tâcher mon nouveau pyjama. Hop. Eh bien, les martiens se déplaçaient et faisaient des bruits bizarres. Et comment ils les ont retrouvés alors? C'est super facile de trouver leur soucoupe volante. Elles laissent des traces par terre. Oh. Comme celle-là. Et elles ont des lumières aveuglantes. Comme celle-là là-bas. Et en plus, en général, ils les cachent au milieu de la forêt. Comme celle-là. Des martiens. Attention, pourquoi vous courez? Pauvre Kao. Où est-ce qu'il peut être? Bah, du coup, je vais pas pouvoir voir les papillons en cœur, c'est sûr. Les martiens! Cachez-vous! Oh non! Mon pyjama des occasions spéciales! Bon, j'en ai marre. J'arrête de chercher, ça suffit! Mais Pandy, tu sais, peut-être que les martiens ont kidnappé Kao! Mais quel martien? Non, non et non! J'ai essayé de vous aider, mais vous ne cherchez pas sérieusement. Je vais aller voir les papillons en cœur. Nala arrive morte de faim, Gigi avec son pique-nique et maintenant des martiens. J'ai essayé de les aider, c'est vrai, mais ils sont vraiment dans la lune. Ah, les voilà! Les papillons en cœur sont derrière ce talus. Pan? Pan? Ah! Pan! Tu m'as fait peur! Le camping-car de Koali! Pauvre Kao, il doit être mort de trouille! Mais on est si près des papillons en cœur! Je sais pas quoi faire! Eh ben moi, j'ai pas peur des martiens! J'ai juste couru parce que vous couriez! Les martiens! Ah 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 Kao! Comment t'es arrivé ici? Pandy, t'as retrouvé Kao! Mais, et tes papillons en cœur? Toi et Kao, vous comptez bien plus pour moi. Je t'aime très fort. Magic Team! Génial! Y'a à manger! Les martiens n'existent pas, c'est sûr. Des martiens! Regarde, Pandy! C'est tes papillons en cœur! Ah, oui. Comment j'y avais pas pensé plus tôt? Wow. Ils vont toujours vers la lumière! Un monde magique, plein de super aventures.
Joyeuse journée de la blague. Bonjour Mika. Donne-le-moi Mika. Ah, donne-le-moi. Donne-le-moi Mika, s'il te plaît. Allez Mika, donne-le-moi s'il te plaît. Oui. Ah, mais oui, c'est la journée des blagues aujourd'hui. Eh ben, tu verras, je ne m'y ferai pas prendre. Cette année, je vais faire une bonne enquête approfondie et personne ne m'aura. Un monstre ! Bonjour Camille, hein? Regarde ce que j'ai. Oh, comme c'est joli. Ça te plaît ? Oh. C'est une aquaspiricum. Tu peux la renifler ? Oui, oui. C'est très bizarre comme nom, hein ? Joyeuse journée de la blague ! Moi qui voulais pas me faire prendre aujourd'hui. Camille, je vais t'inviter à boire un thé relaxant. Ça te détendra. D'accord, mais que ce ne soit pas une blague. Je te préviens, tu m'y prendras pas. Tu vas adorer, ça sent très bon. Est-ce que je peux prendre l'autre tasse? C'est juste au cas où. Bien sûr. Assieds-toi, mets-toi là et bois ton thé. Oui. Joyeuse journée la blague. C'est fini. Je peux faire confiance à personne. Je vais aller dans le bois pour être tranquille et en paix. Mais quelle idée elles ont eue, Lucie et Loua. Même ici, on n'est pas à l'abri. C'est impossible de savoir quelle blague va nous tomber dessus. Sauf que je connais quelqu'un qui peut nous donner une piste. Oh. Tina, s'il te plaît, on voudrait savoir quel genre de blague on va nous faire. Tu peux regarder dans la boîte du destin. La boîte du destin? Fais-moi voir. Joyeuse journée de la blague. Pardon, pardon, mais j'ai pas pu résister. Pardon, pardon, mais j'ai pas pu résister. S'il te plaît, dis-moi juste combien il me reste de blagues. D'accord, il n'en reste plus qu'une. Mais je ne vois pas très bien. Je sais juste que ça a à voir avec des ballons. Des ballons? On va faire attention. Merci. Viens Mika. Ah ah. Un ballon. Cette fois, on va pas nous la faire. Ah ah, je t'ai eu. Hé hey, t'as fait éclater ma bulle géante. Cours, Mika, cours. Où es-tu? Je te retrouve. Là-bas, regarde. Un autre ballon. Le monde est à moi. À moi. Ah, ah, je t'ai eu. Ah, aïe. Tu veux jouer? Et le monde sera à toi. Impossible. On est en mission secrète. Hein? Ah, voilà! Regarde, Mika, c'est toutes les blagues! Hein? Hein? Oh! Tiens, c'est carnaval! Allez, on y va! Parfait! Blague neutralisée! Surprise! Joyeux anniversaire, Wally! Pourquoi t'as fait ça? Vous alliez encore nous faire une mauvaise blague, non? Oh, merci beaucoup les amis, je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Camille a gâché l'anniversaire. Je voulais juste un anniversaire avec des ballons. Je croyais que ça allait encore être une blague. Je voulais pas gâcher ton anniversaire, Wendy. Je te promets que je n'oublierai plus jamais que ton anniversaire tombe la journée de la blague. C'est pas grave, c'est que des ballons. Magic Tears! Oh waouh! La tatine dorée! C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie! Hein? Un monde magique, plein de super aventures. Cry Baby.
avant. Bon, alors les bébés, vous savez qu'il ne reste plus que quelques jours jusqu'à Noël. Il faut qu'on se dépêche. Il y a encore plein de nœuds attachés. Tout doit être parfait. Ça avance les fleurs? Super! Eddie, est-ce que tu sais le faire avec les deux mains? Bien sûr! Regarde, tu vas halluciner! Ta-da! Oh! C'est pas grave, t'as qu'à continuer avec une seule main. Mais dépêche-toi! Waouh! Ça commence à être très joli! Merci, mais on a encore beaucoup à faire. Oh, et n'oubliez pas de faire vos lettres au Père Noël! Plus tard. On est débordés, tu sais. Ok! Allez, Léa, on doit mettre les lumières. Viens vite, Connie, il faut que tu vois ça. Tu vois, ça, c'est un calendrier de l'Avent. Chaque fenêtre correspond à un jour. Waouh, il ne reste que deux petites fenêtres. Ça veut donc dire qu'il ne reste plus que deux jours avant Noël. Donc, il faut écrire la lettre au Père Noël tout de suite. Je vais aller prévenir tout le monde. Enfin, le dernier nœud. Si tu as terminé, tu pourrais m'aider avec les boules de Noël. Ah, tu veux des boules de Noël? Eh ben, tiens des boules. Hé, arrête! La neige, c'est pas pour décorer. Et pourquoi c'est toi qui commande? Maintenant, c'est moi qui commande. Léa, eh ben, mets la neige sur les couronnes. Hé, il ne reste plus que deux jours avant Noël. Est-ce que vous avez bien envoyé votre lettre au Père Noël? Très drôle. Ah, les cadeaux, oui. Cadeau? Avec toutes ces histoires, j'ai oublié de faire la lettre au Père Noël. Moi aussi. Et moi aussi. Si on s'était pas disputé, on aurait fait nos lettres. C'est le pire Noël de toute ma vie. Je vous l'ai dit quand j'ai fait la mienne, mais vous n'avez même pas fait attention. Tu veux dire que t'as eu un cadeau? C'est quoi comme cadeau? Où il est? On ne peut pas le voir. C'est spécial. Spécial? J'en veux un. J'ai compris, il est tout petit, vous allez voir. Il n'y a aucun cadeau ici. Pourquoi tu jubiles alors que t'as même pas de cadeau? Si, il est là, mais vous ne le voyez pas. J'ai demandé au Père Noël qu'on soit tous ensemble sans se disputer. C'est ça un vrai Noël. Oh, tu es la meilleure amie du monde entier de la galaxie. Oui, mais vous voyez bien qu'on n'a pas de cadeau. D'accord. Vous les avez trouvés où tous ces cadeaux? Quoi? Sérieusement? Vous avez vraiment ouvert les deux fenêtres du calendrier qu'il manquait? Mais alors? Aujourd'hui c'est pas Noël, tu vois? C'est demain! Bah si c'est demain, on a encore le temps de faire nos lettres au Père Noël. Des cadeaux! Moi, je vais demander la même chose que Connie, qu'on soit toujours ensemble. Moi aussi! Moi aussi! Mais si, moi aussi, je vais demander qu'on soit toujours ensemble. Amandes magiques.
Le pari impossible. Aujourd'hui, on va faire des trucs super, tu verras. Qu'est-ce que t'es drôle? Tu parles aux plantes, toi. Écoute, elle est très sensible. Tu as un bobo, ma petite fleur chérie? Est-ce qu'elle t'a fait mal, ma petite fleur chérie? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dina, elle se moque tout le temps de moi. C'est toujours pareil avec toi. Tu parles à ta fleur toute la journée. Admets-le, tu ne peux pas vivre sans elle. Eh ben, tu peux parler, toi, avec ton klaxon et ton bouclier. C'est pas pareil. Mon klaxon est plus drôle et mon bouclier s'illumine. Et en plus, moi, je peux parfaitement vivre sans les deux, tu vois. C'est pas comme toi avec ta petite fleur. Bon, c'est bon. Moi aussi, je peux parfaitement vivre sans c'est ma bon, fleur. C'est bon, c'est bon. Et pourquoi vous n'essayez pas? Voilà les règles. Pendant une semaine, Rizzi et Didi surveilleront vos objets pour voir si vous pouvez vraiment vivre sans eux. Celle qui arrive sera la gagnante. Si Rosy gagne, je lui donnerai mes bulles. Et moi, mon pretzel, si c'est Dina qui gagne. J'ai une vision. Le gagnant sera celui qui ne perd pas. Et le perdant sera celui qui ne gagne pas. Oh, très fort! Elle a fait de la magie. Que le pari commence. Première journée sans objet. Bonjour, petit arbre. Ça va bien? Ouf, ma fleur est plus sympa. Tiens, un arbuste. Comment ça va aujourd'hui? Tout est vraiment très silencieux. Eh oh, eh oh! Mais je suis nulle pour crier. Avec un bon coup de klaxon, tout le monde serait tellement plus joyeux. Tiens, comment ça va, Rosy? Je parie que tes objets te manquent beaucoup. Moi, non, pas du tout. Mais de quel objet tu me parles, là? Écoute, il me manque, mais je ne pense ni aux fleurs, ni aux plantes, ni à rien. Ah ben, génial. Bon, ben, on continue. Alors, c'est ça, Dina. Ravie de te revoir. Je me demande ce que fait ma fleur. Je lui lis toujours un conte le soir avant de s'endormir. Moi, je peux pas m'endormir si je joue pas une comptine sur mon klaxon. Deuxième journée sans objet. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Il fait chaud aujourd'hui, vous trouvez pas? Bonjour. Dina, qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Je passais par ici et je me suis dit, je vais voir ce que font Rizzi et Didi. Tu vois, juste comme ça. Ben, moi aussi. Dites, vous permettez que je jette un coup d'œil à mon klaxon? Oui. Moi aussi, je veux faire pareil. Ça peut pas continuer comme ça. Ça m'est égal si je perds ce pari idiot ou pas. Je veux voir ma fleur et mes cordes lumineuses. Et moi, je veux mon klaxon et mon blason. On doit faire un plan. Notre mission, c'est de nous infiltrer dans la cave et de récupérer nos affaires sans être vus. Et tu proposes quoi, alors? Je vais me déguiser en livreur de pizza. Et j'en amènerai une si délicieuse que Rizzi et Didi ne pourront pas résister. Pendant ce temps-là, tu profiteras de leur distraction pour ouvrir le coffre et prendre nos objets magiques. C'est le plan parfait. Mais c'est vide! Non! Rendez-moi ma fleur! Et la pizza! J'ai besoin de mes objets magiques. On peut pas vivre sans eux. Dans le fond, on se ressemble beaucoup, hein? Oui, c'est vrai. On peut pas vivre sans les choses qui nous rendent heureux. Fantasy Magic Tears. Aucune des deux n'a gagné. Dina! Cry babies, cry babies, magic deals. Un monde magique, plein de super aventures.
olympiques fantastiques. Les Jeux olympiques fantastiques sont arrivés. Saluons les super sportifs qui sont en ligne pour gagner la grande tétine en diamant. C'est génial. Bravo. Voilà Brimi, la grande championne de tous les jeux précédents. Elle arrive avec son coach un peu spécial, Dina. Qu'est-ce que je fais? Le saut de l'étoile. J'arrive pas encore très bien. Allez, ce sera super drôle. Oups. C'était pas si mal. Essaie encore une fois. Je suis sûre que tu vas y arriver. Non, je gagnerai pas la tétine en diamant. Si tout le monde s'attend à ce que je la gagne. Concentre-toi sur le fait que tu t'amuses. Il n'y a que ça qui t'intéresse, t'amuser. Si tu t'amuses pas et que tu prends pas du plaisir, tu gagneras jamais. J'essaie juste de t'aider, hein. Eh ben, ça ne marche pas. Et si c'est si facile, t'as qu'à le faire et tu gagneras. Le premier événement est sur le point de commencer. La course de saut de l'étoile. À vous, Marc. Prêt? Hein? On dirait qu'il y a une nouvelle athlète. Donnons la bienvenue à Dina. Bonjour. Où en est-elle? Ah oui. Partez. C'est super facile, ça. Hop. Aïe. Tu vois? Le public adore s'amuser. Incroyable! Brimi vient de battre le record. Tu vois, qu'est-ce qu'on s'amuse ici, c'est fou. Quelqu'un pourrait venir m'aider. Deuxième épreuve. Lancement d'objets surprise. Ouf. Aïe. Jenna, c'est à toi. Trop fort. Raté. Et voilà, lancement spécial Brimi. C'est Dina qui gagne. Tu vois, c'est comme ça qu'on s'amuse bien. Les athlètes sont si proches qu'ils vont donner tout ce qu'ils peuvent pour la fin. Le saut de champignon. À vos marques. Prêts? Partez. Hop. Qu'est-ce qui se passe? On continue la compétition. C'est au tour de Dina. Aïe. Allez, relève-toi. On s'amuse bien. T'as triché. Moi? Et toi alors? Tricher? Vous avez triché aux Jeux Olympiques? Impossible! Mais quelle honte! Nous allons inventer une nouvelle épreuve où il est impossible de tricher. Qu'arrivera à attraper un fruit du grand arbre sans ses pouvoirs gagnera. Je peux presque l'atteindre. Mais fais attention. Toi, t'as qu'à faire attention. Aïe. Ça me manque beaucoup de m'amuser avec toi, tu sais. Ah, moi aussi. C'est vraiment stressant de faire de la compétition. Oh. J'ai une idée. Attention, on dirait que Brimi va tenter le saut de l'étoile. Tu peux y arriver. Incroyable. C'est le plus beau saut de toute l'histoire. Fantasy Magic Tears. Non, toi! Quelle belle fin! Pour la fin! Jeux olympiques fantastiques!
vois-tu? Salut. C'est pas vrai, c'est toujours pareil. Excuse-moi, ça m'amuse vraiment de voir tes têtes. Quelle tête? Mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à trouver Lady et Loulou est très triste. On sait vraiment plus où chercher. Je crois que ça c'est une enquête pour le détective Camille. Par ici, par là. Je crois que c'est... C'est de la barbe à papa. Mais devant la maison de Lady? Ça, ça ne veut dire qu'une seule chose. Que Lady est à la foire. Non, Lucie. Tu vois? C'est des nuages. Elle est à la montagne Fantasie. On y va. Cœur ailé, je veux passer de l'autre côté. Un petit pas par ici, un petit pas par là. Et le portail Fantasie s'ouvrira. Ouais! Youhou! C'est génial! Au fait, on doit trouver Lady. On ferait mieux de rester discrète et de ne pas attirer l'attention. Hé, c'est pas juste ça! Moi, je sais pas le faire! C'est le monde Fantasie! Tu peux faire tout ce que tu veux! J'ai faim! Elles sentent vraiment la vallée! Et elles ont meilleur goût! Je me demande si c'est les mêmes! Je vais goûter! Attends! Il manque celles qui sont si bonnes! Faut la faire griller! De la vallée? Mais Yargo! La faire griller? Lady! Ils ont transformé Lady en barbe à papa! Et en plus, ils vont la manger! Il faut qu'on la retrouve tout de suite! Le gâteau sera délicieux quand on mettra les framboises. Lady? Tu es là? Lady? Tu es là? Lady? Lady? Est-ce que tu es un arbre? Lady, c'est toi? Oh non! S'il te plaît, dis-moi que c'est pas toi. Bonjour mes chéries. Qu'est-ce qu'elles sont mal élevées? Peut-être que Lady est à la foire. Non Lucie, Lady est ici. Mais on sait pas en quoi ils l'ont transformée. Non, s'il vous plaît, ne nous changez pas en barbe à papa. On n'a pas bon goût. Mais qu'est-ce que tu racontes? On sait tout. Vous avez enlevé Lady et vous l'avez transformée en barbe à papa. Pour la manger. Et vous allez la faire griller. Vous croyez vraiment qu'on va vous manger? Eh ben, c'est qu'on vous a entendu dire que celles de la vallée ont meilleur goût. Et puis, qui vous manquait, celles qui sentaient si bon? On parlait des framboises. Les framboises de la vallée sont les meilleures. Ah, ben on croyait que vous mangiez les bébés. Mais on ne sait toujours pas où est Lady. Ne vous inquiétez pas, on a la solution. Lady! Lady! Connie, est-ce que tu as vu Lady? Lady! Lady, où es-tu? Moi, je ne vois que des taches roses sur sa maison. Mais oui, c'est du caramel. Je parie ma tétine dorée qu'elle est à la foire. Elle adore manger des sucreries quand elle monte sur la grande roue. Regarde, elle est là. Je le savais. On l'a retrouvée, Loulou. Fantasie Magique Tears. Allons la chercher. Waouh, le ciel est magnifique. C'est vraiment dommage que Loulou ne soit pas là. Il se perd tout le temps. C'est vraiment dur. La fontaine magique abîmée.
Oh, Dina, tout le temps en train de faire des blagues. La boule de Tina est très belle. Ça veut dire que ça va être une belle journée. Ah ah! Ben ça alors! On a une visite touristique. Vous avez vu ça? C'est un geyser. Je dois le surveiller tous les jours. Pourquoi? Parce que le geyser est connecté à la fontaine des larmes magiques. S'il arrive quelque chose au geyser, la fontaine magique s'arrête et la montagne fantaisie pourrait disparaître. Vous vous rendez compte? Waouh! Ça serait une vraie catastrophe! Tu es très important! C'est sûr! Suivez-moi! Je vous signerai un autographe plus tard. Le bleu lune avec le bleu nuage. Le bleu foncé avec... Et à la fraise. Vous êtes très drôle. Hein? Saut glacial. Tu vas battre ton record. 1, 2, 3. Attention. C'est pas grave. Je vais le nettoyer avec... Aïe. Le super aspirateur de Missy. Non, Bonnie. Cet aspirateur est super puissant. Tu te rappelles la dernière fois? T'inquiète. Que... Tout est sous contrôle. Regarde ce que t'as fait! Vous feriez mieux d'aller jouer ailleurs, d'accord? C'est ça, oui. Allez jouer avec la balle. C'est bizarre, ça, non? Bon, ben, puisque c'est comme ça, allons jouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fontaine a l'air de ne plus marcher. Oh oh! Ma boule, il y a quelque chose qui va pas! Regardez-la! C'est comme si la fontaine était bloquée. Peut-être que si je mets le doigt... Mais si c'était si grave? Dina nous aurait dit quelque chose avec son klaxon. Attention! Il se passe quelque chose! Mon bras, il est bloqué! Connie, on a besoin de ton aide! Ouh là là! Mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis bloquée! C'est comme s'il y avait quelqu'un qui tirait de l'autre côté! Rim et Kurni ont bloqué le geyser avec une petite balle. Quoi? Vous avez encore fait des bêtises? Et maintenant, on fait quoi? On peut pas laisser Jessie comme ça? Je sais. On va convertir la fontaine en glace et comme ça, tu seras libre. Très bonne idée. Ça marche pas. J'espère que c'est bon. Moi, je suis toujours bloquée. Bon, d'accord. On va tirer bien fort. J'ai une super idée. Attends, Bruni, t'en vas pas. Oh non! La montagne fantaisie est en train de disparaître. Attendez! J'ai trouvé la solution. C'est le super aspirateur. Merci, Bruni, tu as réussi. La montagne fantaisie a failli disparaître. Mais le plus important, c'est que tu nous as sauvés. Regardez, tout est en train de réapparaître. Et la fontaine remarche. Waouh, ma maison! Merci, les amis. Magic Tears! Vous voyez, tout va très bien ici. Heureusement que je surveille, hein. Waouh, t'es génial.
nuages glacés et étonnants. Waouh! Je veux l'essayer. Fais attention. Tu sais pas nager. J'arrive. Rime. Que le temps s'arrête. Qu'ils reprennent. Waouh! T'es trop fort. J'aimerais bien être moins maladroit comme toi. Bah, c'est pas la peine. Toi, tu arrêtes le temps. J'aimerais bien être comme toi. C'était quoi, ça? Le nuage est en train de fondre. Au fait, Tina nous avait dit de ne pas jouer avec les nuages. Ils ont des pouvoirs magiques. Bah, c'est des histoires, ça. Dors bien, Rim. Rêve d'un trampoline en arc-en-ciel élastique. Allez, hop. Il n'y a rien de mieux que mon lit. Bonjour, Bru. Rim. C'est quoi ce cheveu rose? Et cette voix? C'est pas ma maison. Et c'est pas moi. Maintenant, j'ai le corps de Dreamy. Et mon corps. Attends, comment ça, Drini et Bruni? Tina, hein? C'est horrible tout ça. Je suis Bruni. Et moi, je suis Dreamy. C'est juste pas possible. Comment vous avez fait pour échanger vos corps? Et comment ça se fait que j'ai rien vu? Eh ben, tu vois, hier, je lui ai dit que je voulais être comme elle. Et moi, pareil. Juste en disant je veux être comme toi? Eh ben, du coup, moi, je serai un oreiller maintenant. Quoi? Vous avez congelé un nuage? Je vous avais dit de ne pas vous amuser avec les nuages. Parce qu'ils ont des pouvoirs magiques. Bon, je vais aller voir tout ça. Mais alors, en attendant... On va devoir vivre l'un et l'autre avec le corps de l'autre. Salut. Tiens, Dreamy, je sais que tu aimes les bonbons. Mais non! Dreamy, c'est moi. Tu me crois pas? Eh ben, regarde. Des glaces aux bretzels. Et j'ai aussi perdu le pouvoir de faire des glaces. Ah, ça, c'est à moi. Alors, ça veut dire que moi, je peux les faire? Ah, oulala, je crois que c'est vraiment petit. Je comprends rien à tout ça. J'ai arrêté le temps pendant une seconde. On va devoir s'entraîner pas mal. Allez, viens. J'ai rien compris. À l'instant. Et mes bretzels. 6, 7, 8, 9... Et 10. Je t'ai eu. C'était trop facile. Tout va bien, Bruni? Je suis pas Bruni, je suis Dreamy. Ce corps si maladroit appartient à Bruni. Et mon corps peut faire ça. C'est génial. Bah, avant moi, je pouvais le faire. J'adore être agile comme ça. Et les bébés? Je sais comment vous pouvez récupérer vos corps. Vous devez vous mettre sous le nuage, vous prendre la main et dire « Chaque fantaisie doit toujours rester à sa place. » Et c'est comme ça tous les jours que ça se passe. Ouais, je veux récupérer mon corps. Mais je suis désolée, Dreamy, mais j'ai pas envie d'être maladroite comme avant. Bruni, attends, il faut vraiment que je te parle. Ah, aïe. Aïe! Eh ben, quelle gamelle! Tiens, avec une glace, tout est plus facile. Bruni, s'il te plaît, rends-moi mon corps. Bon, d'accord. Je veux bien te le rendre. J'ai l'habitude d'être maladroit et ça m'est égal. Excuse-moi d'avoir été si égoïste. Mais moi, tu me plais comme tu es. Tu es la meilleure amie du monde. Chaque fantaisie doit toujours rester à sa place. Et c'est comme ça tous les jours que ça se passe. Ça, c'est vraiment moi. Toi aussi, tu m'as tellement manqué. Fantasy Magic Tears. Je vole pour de vrai. L'agilité, c'est contagieux. J'adorerais être comme toi.